Si je vous dis juste le terme une psy, vous pensez à quoi? Bah, ou une psychologue, quoi. Une personne qui est censée t'aider, mais je suis un peu mitigée par rapport à ça. Bah, ayant des connaissances qui sont passées par des psychologues, franchement, souvent, ça les a pas forcément aidés. C'est rare que ça a fonctionné vraiment. Moi, je suis d'accord avec cette jeune fille, c'est-à-dire qu'une psychologue ou un psychologue ou un psychiatre, une psychiatre n'est pas toujours la clé qui va nous aider à nous sortir d'un moment d'impasse. Et je pense qu'il faut pouvoir respecter ça, effectivement. Pour vous, c'est quoi un ou une psy? C'est un peu quelqu'un qui va régler un peu tous nos problèmes. Après, il y a des gens juste qui veulent y aller pour trouver des réponses à leurs questions. Et il y en a qui veulent, bah, du coup, on parle un peu de suicide, des gens vraiment qui sont au fond du gouffre. On aimerait sûrement bien régler tous les problèmes, mais on n'arrive en général pas. Ce qu'on essaye de faire, c'est de trouver ce qui pose le plus de difficultés dans l'existence d'un individu et essayer de travailler là autour. Bah, pour moi, une psychologue, c'est plus une personne avec qui tu parles. Et par exemple, une psychiatre, c'est quelqu'un qui peut te prescrire des médicaments. Mais une psychologue, elle pourra jamais vraiment aller au fond des choses, quoi. Et puis si toi, tu veux pas faire, bah, elle pourra encore moins t'aider. Oui, alors c'est vrai qu'il y a deux grandes différences entre un psychiatre et une psychiatre ou un psychologue et une psychologue. La principale, c'est que un a fait des études de médecine, le psychiatre ou la psychiatre, alors que la psychologue non. Et puis le médecin psychiatre peut prescrire des médicaments, ce que effectivement le psychologue ne peut pas faire. En revanche, le point commun de ces deux professions, c'est qu'on est là pour écouter l'autre et pour pouvoir offrir un espace de bienveillance, comme je le disais, et puis d'écoute pour pouvoir apaiser des moments qui sont trop compliqués.